faut 8 veaux blancs de volaille, d'environ 200 grammes chacun, que vous couperez en petites aiguillettes comme ça, pour que ça cuise plus vite, et vous les faites revenir à la poêle juste pour les dorer, vous laissez cru encore au milieu. C'est juste faire la coloration sur toutes les faces. Une fois que c'est fait, vous groupez tout dans une casserole. Vous allez rajouter 2 carottes coupées en petits dés. Un oignon coupé en petits dés, ça s'appelle comment ? Vous allez rajouter la moitié d'une langouille coupée en petits dés également. Tout le monde connaît la langouille ? Non, il y a des dames qui ne connaissent pas. Alors la langouille, celle-ci vient de Saint-Malo-de-Guersac. C'est un artisan charcutier qui fait ça, l'abbé Simon, qui est sur le salon de la gastronomie tous les ans. Et c'est fait avec des petites langues de porc qui sont cuisinées comme de l'andouille, en fait. Ça, pour la recette, il vous la dira peut-être pas tout entièrement, parce qu'il y a des petits secrets, mais il pourra vous donner les grandes lignes. Et donc vous avez différents parfums, il y a au piment d'Espelette, au poivre gris, à la tomate. Voilà, et les carottes, les oignons, la langouille, vous allez rajouter 200 grammes d'un mélange de fruits secs. C'est-à-dire que vous pouvez mettre des noisettes, des amandes, des pistaches, des noix, des pignons de pin, que vous allez torréfier avant de les mettre dans la casserole. Et vous allez mettre également des abricots secs, coupé en petits tronçons comme ça. Et donc on va tout remettre ça. Et vous avez fait quelle quantité ? Combien j'aurais pu ? 200 grammes. À quelle température ? Bon, bah, pour très chaud, hein, parce que vous surveillez, c'est juste que ça soit. Ça colore juste un petit peu. C'est pour renforcer le goût des fruits secs, en fait. On met combien dans l'abricot ? De l'abricot. L'abricot, bien après. 100 grammes d'abricots secs. Vous rajoutez un petit peu de thym. Un peu de piment d'Espelette. Oui, je suis comme Maïté, moi. Un peu, c'est... De la fleur de sel. Et vous allez rajouter 1 litre de crème liquide, 35% de matière grasse. C'est quand même une recette d'été. Hein. Ah oui. Et vous allez mettre à cuire ça pendant 30 à 40 minutes. Comme accompagnement, parce que là, en fait, tous les éléments de la terrine sont pratiquement à cuire, là. Comme accompagnement, on va faire un pesto de radis, des radis laqués et du daikon râpé. Et je vous ai préparé quelque chose. J'ai fait un vinaigre de pomme. Et c'est un vinaigre de pomme avec de la récupération, c'est-à-dire que vous allez prendre 500 grammes d'épluchures et de trognons de pomme. Et vous allez les laisser s'oxyder une journée. Elles commencent à brunir. Au bout d'une journée, vous allez les mettre dans un bocal avec assez large. Vous allez rajouter dessus 200 grammes de sucre. Et vous allez couvrir d'eau un petit peu plus qu'à hauteur. Vous prenez une mousseline et vous placez dans un endroit sombre et tiède. Et vous n'y touchez pas pendant un mois. C'est le minimum. Si vous voulez un vinaigre plus fort, il faut le laisser un peu plus longtemps. Au bout d'un mois, vous pouvez le goûter. Si ça vous convient, vous le filtrez. Celui-là, il a juste un mois. Hein. Vous le filtrez.
et ça se conserve 3 mois. Ouais. Donc on va faire le pesto de radis. Donc vous prenez les bottes de radis, vous gardez les fans, vous jetez les radis. On les revend. Non, non, les radis, on va les faire autrement. On va les glacer. Les rends plus. Donc là, il y a environ 300 grammes de fan. On va rajouter 100 grammes de poudre d'amande, 100 grammes de parmesan, 2 mix, ça marche aussi avec un blender, ce que vous avez tellement en fait. Hein. Vous avez vu combien? Bon, j'ai fait 10 centilitres. Donc on rajoute la fleur de sel, un petit peu de piment. On va rajouter le jus d'un citron. De fraîcheur. C'est un peu comme le roi des nourds, c'est ça? Non, mais c'est moins fort. Avec du papier film. J'ai bien le sourire. Donc vous prenez vos aiguillettes de poulet que vous allez mettre dans le fond. En fait, vous pouvez égoutter tout, mettre les aiguilles de poulet d'un côté, la garniture avec les fruits secs et votre jus.
Le jus, vous allez mettre 7 feuilles de gélatine dedans. Vous rajoutez des haricots verts pour faire de la couleur quand vous allez couper. Ça fera la pistache. Et vous continuez comme ça, en étalant, et à la fin, vous allez mettre votre jus qui est avec la gélatine. Là, je ne peux pas la remplir trop parce que, en fait, c'est pas assez cuit. Sinon, il faut qu'on reste là 2 heures de plus. Et après, vous refermez bien avec les bords votre terrine. Voyez, vous recouvrez bien la terrine une fois qu'elle est pleine. Hein. Et vous mettez un poids dessus. Et vous la mettez au frais pendant 8 heures. Et 8 heures après. C'est quand même magique. On vous l'a dit qu'il était bon. On voit plus rien. Non, c'est 8 heures. Je prends un nougat glacé là. Ah oui, tiens, j'aurais dû faire ça aussi. Parce qu'il va bien falloir utiliser des radis quand même. On a utilisé des fans. Mettez une cuillère à soupe d'huile d'olive dans une poêle. Vous déposez vos radis, soit coupés, soit entiers, comme vous voulez. Si vous avez le temps, vous les mettez entiers, ce sera plus joli à la décoration. Vous rajoutez une cuillerée à soupe de miel. Et une cuillerée à soupe de vinaigre. Ce que vous voulez. Là, j'ai fait du vinaigre de pomme exprès, donc. Et vous faites cuire ça doucement jusqu'à évaporation pour bien glacer les radis. C'est des petits pois. Attends, tu finis pas sans finir la assiette avec les prendre la photo.